الملتقى الدولي الثاني للجب الفن. الموضوع اختياره الصدمة انطلق البارح يتواصل اليوم ونهار 9 جويلية، وسعيد جدا بمشاركة دولية، سعيد جدا بحواري avec monsieur Pierre Plante. Monsieur Pierre, bienvenue en Tunisie. Enchanté, fait plaisir. On aimerait bien tout d'abord avoir votre avis sur le côté organisationnel et sur le niveau du conférencier. Et après, on va avoir votre avis sur le choix du thème de cette année. Avant tout, j'apprécie ce deuxième colloque dit international par sa diversité, justement, la provenance des intervenants et la qualité des intervenants. Ce que j'apprécie aussi du travail de l'association ici, c'est la diversité de provenance. Hein, autant des médecins, des psychodramaticiens, il y a une richesse et une diversité que bien souvent au Canada, on est beaucoup plus spécialisé. C'est souvent que des arts thérapeutes ensemble. Ici, d'avoir des médecins, d'avoir des chirurgiens, ça ouvre à des façons différentes de voir leur thérapie. Et pour la question du trauma, je peux vous donner un scoop. En fait, c'est moi qui l'ai proposé au comité organisationnel. Donc j'ai posé la bonne question à la bonne personne. Oui, c'est ça. Notre quotidien, il est plein de traumatismes tout au cours de notre vie. Oui. Avec tout ce que c'est, les infos qu'on vit, avec notre quotidien qui a changé. Oui. Et ça fait partie de la vie. Et c'est tout à fait normal d'être confronté à ces épreuves. Je dirais pas nécessairement trauma. Parce qu'en fait, ce n'est pas tous les traumas qui deviennent des traumatismes. On peut être confronté à un trauma et si on répond au trauma, à l'épreuve de manière adéquate et nous sommes en mesure de l'intégrer, de le digérer, métaboliser, l'événement va faire partie de notre histoire. Et parfois, on peut même intégrer des histoires fort horribles si notre réponse fut adéquate. Hein, j'ai été en mesure de combattre, de fuir le danger et d'en parler avec les autres en disant « j'ai sauvé ma vie ». Là où ça devient problématique, c'est quand une personne fige. Et contrairement à l'animal, l'animal qui fige, lui se secoue le corps et se remet sur pattes et s'en va et assurer sa survie. L'humain, le problème avec le néocortex, j'ai figé, j'ai rien fait. Mais lorsque je reprends mes sens, je me juge, je discrédite ce que je fais, je m'accuse, je me sens coupable d'avoir rien fait face à une violence que je pouvais voir soit à moi ou un adulte face à un enfant et d'être resté figé à ne rien faire. C'est ce discours interne qui peut devenir à ce moment-là fort destructeur. Et c'est souvent ce qu'on va dire face à un traumatisme, c'est une inscription. Lorsqu'on fige, qui s'inscrit dans ce qu'on appelle le cerveau reptilien, là, ça s'inscrit au niveau du corps et non pas au niveau de la pensée, au niveau du langage. Donc, ça ne suffit pas d'avoir des bons médicaments et voir un docteur, non. Mais en parallèle, ces thérapies qu'on va donner grâce à l'art, ça peut nous aider et ça a donné des résultats à l'échelle internationale. Hein. C'est ça. Les chercheurs, du moins les chercheurs dominants dans le domaine, je pense à Van der Kolk ou à Levine aux États-Unis, le disent clairement. Étant donné que c'est une inscription, le traumatisme est inscrit au système limbique, sensoriel, pas au niveau du cortex verbal. Donc, ce n'est pas une thérapie verbale. Ce n'est pas nécessairement d'en parler, mais il faut le traduire. Et l'art-thérapie, c'est souvent une expression par le corps, que ce soit l'art plastique qui implique le corps, que ce soit la danse, le mouvement. C'est des façons que le corps traduit une sensation que la parole n'est pas encore en mesure de saisir. C'est ce qui permet à des gens de reconnecter avec des sensations, des flashbacks, et de se reconstruire tranquillement le narratif de l'événement. Parce que souvent, ce qu'on va dire, c'est que quelqu'un qui était traumatisé ou un stress post-traumatique est envahi par des flashbacks, on va dire des fragments d'informations, et vit avec un système d'hypervigilance, comme si le trauma était là tous les jours, d'où la nécessité de travailler. Est-ce qu'on peut dire maintenant, grâce à la médecine, on a ce conflit entre la science et l'art, ça se rapproche, ça c'est fini, ça c'est grâce à la médecine en quelque sorte. Et grâce à les avancées en neurosciences, à l'imagerie, le cerveau, qui nous permet d'identifier où se situent les activités cérébrales lors de trauma et de percevoir justement que les parties verbales, lobe temporal, se ferment, deviennent inhibées et que l'information ne se loge pas. C'est vraiment... le cerveau, c'est une belle machine, mais le cerveau néocortex, c'est un système très lent. Hein? En termes informatiques, c'est un système qui réagit lentement. Et face à un trauma, le système le ferme parce qu'il ne réagit pas assez rapidement et l'instinct de survie prend le dessus.
je vais fuir, je vais battre, je vais figer. Exact. Et ça se loge dans le tronc cérébral avec des émotions, des sensations. C'est diffus, c'est pas analytique et logique et rationnel du tout. Monsieur Pierre Plante, un grand merci de nous avoir accordé cette interview. Et nous sommes ravis de vous avoir parmi nous en Tunisie et surtout sur la radio Hayat FM. Un grand plaisir, merci. الحياة فهم الحياة فهم زهرة الحياة.